Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément bouton. Donc, on a créé notre bouton, on lui a donné une couleur, etc. On a créé le design, on va dire. Maintenant, le but d'un bouton, c'est de rediriger les gens sur les différentes parties de votre site ou sur un autre site. Ok? Et comment on fait ça? Donc, on va cliquer sur le bouton. Et là, vous avez cette chaîne. Quand je vais cliquer sur la chaîne, j'ai plusieurs possibilités. D'accord? Je peux rediriger les gens sur un lien externe. On va dire, je vais prendre le lien de l'agence. Je mets ça, coller. Ok? Par exemple, je peux faire ça. Je peux rediriger les gens sur une page de mon site. D'accord? Je peux faire ça aussi. Étiquette, c'est assez particulier. On reviendra dessus plus tard. Je peux permettre à ce que le bouton ouvre un pop-up, je peux permettre à ce que le bouton dirige sur une partie spécifique de mon site. C'est l'ancrage, hein. On en avait parlé de. Je vous invite à aller regarder les présentations sur le panneau pour comprendre comment ça marche. Je peux décider que en cliquant sur le bouton, il y a une vidéo qui s'ouvre. Dans ce cas, je vais mettre le lien de la vidéo là. Okay? Je peux décider qu'en cliquant sur le bouton, ça télécharge un fichier. Donc, dans ce cas, je vais ajouter le fichier ici. Super Checkout, c'est pour faire des achats en ligne. Donc, ça, c'est une autre fonctionnalité de la plateforme. On en reparlera plus tard. Je peux décider qu'en cliquant sur le bouton, ça envoie un mail, etc. Dans ce cas, je vais remplir les informations que je vais envoyer quand les gens vont cliquer sur le bouton. Téléphoner. Donc, en cliquant sur le bouton, les gens peuvent téléphoner. Surtout, c'est pratique pour les mobiles. Donc, pas de masque. Je sélectionne, je mets le numéro de téléphone et je décide de ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont appeler, vont envoyer un SMS ou vont se connecter, vont envoyer un message par WhatsApp. Donc, ça, c'est les fonctionnalités qu'on a. Tag, bon, ça, les tags, on n'en parlera pas. Bannière de rotation, c'est pour accéder. Donc, une bannière de rotation, on en parlera plus tard. Quand on sera dessus, on parlera de ça en détail. Je peux aussi décider de cacher des panneaux et que quand les gens vont cliquer sur le bouton, le panneau caché s'affiche. On en avait déjà parlé. En parlant des panneaux, normalement, donc allez regarder les présentations sur le panneau. Multiple action, normalement, c'est ce que nous avons déjà. On l'a déjà sur le bouton, on en reparlera tout à l'heure. Donc, ça, pour ceci, pour cette. Pour le test là, je mets juste sélectionner. Donc, on va rediriger sur ce site là. Je fais sélectionner, je fais enregistrer. Ok. Et quand on va aller dessus, je recharge la page. Et quand je clique dessus, justement. Je suis redirigé vers un autre site. Je peux décider que ce site s'ouvre dans un autre onglet. D'accord? Là, par exemple, ça m'a fermé ma page. Si je veux que ça s'ouvre dans un autre onglet, je peux aussi le faire. Donc, je reviens là, clique dessus. Et là, je dis dans un autre onglet, je sélectionne, j'enregistre à nouveau. OK. C'est parti. Quand je vais cliquer dessus, on retourne sur la page. Je recherche cette page. Et quand je clique dessus, maintenant ça s'ouvre dans un autre onglet. La prochaine fois, nous parlerons de la fonctionnalité, hein, multiple action. Okay. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons mis en place une formation en ligne, hein, qui vous permet de le faire. C'est une formation gratuite. Pour ce faire, allez sur notre site, hein, le site de l'agence adv2.fr, scrollez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton, c'est marqué je commence ma formation et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site internet en utilisant la plateforme Builderall. Si vous voulez qu'on crée votre site pour vous, nous sommes une agence web, ce sera avec plaisir. Envoyez-nous votre message, hein, via notre formulaire en cliquant sur ce bouton ou envoyez-nous un mail directement à cette adresse service.web@adv2.fr ou appelez-nous à ce numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, en tapant agence web AWDE. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.